Donc pour commencer, voici une matrice grand C. OK, donc voilà notre matrice. Cette matrice est de dimension A fois B. Donc la matrice grand C a A lignes et B colonnes. Donc je vais la multiplier par la matrice identité. Voilà que je dessine en gras ici, un grand I. Donc matrice identité fois le grand C. Donc le résultat, c'est bien sûr la matrice grand C, par définition justement de la matrice identité. On obtient la matrice grand C, qui a toujours, bien évidemment, une dimension de A fois B. Donc à partir de là, je te demande quelle est la dimension de la matrice I. Donc je t'encourage à faire une petite pause dans la vidéo, réfléchir par toi-même et on reprend. Donc on continue. Alors, quelles sont les dimensions de cette matrice I Donc très simplement, on sait que pour que le produit de ces deux matrices soit défini, il faut que le nombre de colonnes de la première matrice soit égal au nombre de lignes de la seconde. Donc directement, on connaît le nombre de colonnes de la matrice identité, et bien c'est tout simplement A Et ensuite, on sait que le nombre de lignes de la matrice résultat, donc c'est le A que je repasse en violet ici. Donc le nombre de lignes de la matrice résultat de ce produit, eh bien provient du nombre de lignes de la première matrice. Donc ici, eh bien, j'ai également petit A. Donc la dimension de cette matrice grandi c'est A lignes et A colonnes. Donc ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est qu'en fait on a choisi une matrice C quelconque, avec A et B qui ne sont pas forcément égaux. Donc cette matrice C n'est pas forcément une matrice carrée, ça peut être une matrice rectangulaire. Et pourtant la matrice identité qui lui correspond est bien une matrice carrée. Donc là on a montré en fait que quelle que soit la matrice euh, considérée, la matrice identité qui lui correspond est une matrice carrée de dimension. A fois A, c'est-à-dire une matrice carrée qui a le même nombre de lignes et de colonnes que le nombre de lignes de la matrice en question. Et donc en fait, puisque les matrices identité sont toujours des matrices carrées, eh bien on va rarement les noter, par exemple, pour une matrice identité de taille 2, on va rarement la, moter, la noter de 2, mais on va plutôt la noter i indice 2, puisqu'on sait qu'elle est carrée, donc elle a deux lignes et deux colonnes. Donc I2, bah, c'est égal... 1 0 0 1 et on peut écrire de la même façon une matrice quelconque par exemple i5 i5 ce sera une matrice identité bien sûr de dimension 5 5 lignes et 5 colonnes donc je la remplis c'est parti accroche-toi bien 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0, 0, 0, 1, 0, et je crois que tu commences à bien comprendre l'idée. 0, 0, 0, 0, 1. Donc que d 1 sur la diagonale qui part d'en haut à gauche et qui va en bas à droite. Donc ce qui est important de bien retenir ici, c'est que quelle que soit la matrice en question, carré ou pas carré, la matrice identité est elle toujours une matrice carrée.